des complices ici. La préfecture de police compte 10 000 employés. Les uns sont gaullistes, d'autres ORS. La majorité sert loyalement le gouvernement légitime. Il prépare un coup important. Ça se passera en France et en Algérie. C'est pas toi. Arrête, je peux le tuer. Vous êtes le commandant Vance, dit Cyrus. Le chef de la mission 3 de l'OAS en France, nous le savons. L'homme qui était avec vous a commis deux hold-up en Algérie. Il a tiré sur un agent de police et l'a tué, comme un gangster. Ce que vous alliez devenir, peut-être. Regardez ces photos, dites-moi si vous connaissez l'un de ces hommes. Personne ne vous suivra. Personne ne veut plus entendre parler de vous. Tout le monde applaudira quand on vous collera contre un mur. C'est très vrai ce que tu dis. Nous sommes en France, ça pourra pas en Algérie. Les problèmes sont différents. Les problèmes? Parlons-en des problèmes. Pour la France, il n'y a jamais eu de problème algérien, jamais. Elle bradait. Et elle continue à jouir de la vie pendant que nous, on crevait là-bas. Vous appartenez à l'OAS? Non, je suis pour l'Algérie française. Comme De Gaulle jadis. Comme quelques ministres, beaucoup de députés et quelques hauts fonctionnaires. L'histoire est folle depuis 30 ans. Les officiers font des hold-up et des attentats à la bombe. Les généraux se révoltent comme ils changent de chemise. Les ingénieurs deviennent des indicateurs. La police a des problèmes. Et moi, qui devrais gagner tranquillement de l'argent en faisant de l'export-import, je fais poulet.